Yo tout le monde, c'est Glotiflo. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Alan Wake. Et oui, aujourd'hui la vidéo est en version francophone pour tous les francophones qui nous écoutent, qui nous regardent. Enfin bref, c'est la fiesta. Je connais pas vraiment le principe, enfin je le connais quand même un tout petit peu, mais je vais pas vous en dire plus, comme ça je vous ruine pas l'expérience. Donc voilà, on est parti. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Okay, donc Alan Wake, c'est un écrivain. Okay. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Tout commença par un rêve. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Oh. I'd seen the hitchhiker too late. Oh, là on est dans la merde. Oh, là t'es dans la merde, mec. Oh, merde. He was dead. Ah, là il est encore plus dans la merde. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Oh, merde. Ok, là t'es vraiment dans la merde. Bon là, y'a plus de doute, t'es vraiment, vraiment, vraiment dans la merde. Suddenly, his body Qu'est-ce que was c'est gone. Que ce délire? Épisode 1, enfin 1, le cauchemar. I could hardly stand my feet. Alors la première chose qui me choque de fou dans ce... To the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Il me laisse jamais finir ma phrase, je pense que je vais m'énerver là. On doit aller vers le phare. Eh bien, allons-y. Rien. Oh, putain. Mais c'est quoi ces corbeaux? Ils dorment pas les corbeaux la nuit? On y va. Donc ouais, je trouve que... quoi? Non! Non! You don't even recognize me, do you, Ryder? Quoi? Quoi? You think you're God? Quoi? Quoi? Ok. Je t'aime pas. Ok. Oh non! 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 Non, là j'ai le nez qui me gratte là, là c'est pas bon signe, comme mon nez me gratte, ça y est, c'est pas bon signe là, c'est pas bon signe du tout là, voilà, là je suis dans la merde, non, 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 allez. Ouais, je peux peut-être pas t'arrêter, mais je peux esquiver ton attaque, mec, et ça tu sais pas le faire. Wouh. Oh, ça c'était, oh putain, ça c'était fort ça. Ok, donc apparemment, il y a des personnes... Oh, what? Oh, c'est... Mais quel est le fuck? Ok, bon bah moi je me barre. Au secours! Là, c'est carrément flippant, là, là. Oui, bah ça va, je cours comme je peux, mec. Et heureusement que j'ai couru, hein. Ah merde, ma batterie. Putain, c'est pas vrai. Attendez, je fais une pause. Recoucou les gens, désolé pour cette interruption. Là, la qualité de la caméra, elle doit être un tout petit peu plus... enfin, moins bien. On s'en bat les steaks et on reprend la partie. Allez. Désolé pour ça. Hein. Okay. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Bon, y'a quelqu'un qui m'aime pas, voilà, visiblement. D'accord. Oh, ok. Je me barre. Oh, wow, attends, ça m'a fait mal. Je me suis fait mal. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ils sont... Ah, je suis blessé en fait. D'accord.
Suis la lumière. Ok, d'accord, je vais suivre la lumière. Lumière, oh, lumière, fais-moi. You should go into the light. Oui, ben, j'y vais dans ta lumière. Ah, la lumière, la lumière. Ah, la lumière. Donc, ok, 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 j'ai compris. Follow my light. D'accord, je vais suivre ta lumière. Ok, donc la lumière, en fait, elle reconstruit ce qui est cassé et elle nous guérit. Ce qui est plutôt bon à savoir. L'ombre noire... Oh non, pas lui ! Non ! Au secours ! Bon, si je m'approche, il va me faire mal ! Donc du coup, tu veux toujours me tuer ? Ah oui, il veut toujours me tuer. Ah là, il veut vraiment me tuer, en fait. C'est n'importe quoi ce soir, mais j'aime beaucoup. Oh non, non, mais c'est pas vrai, tu vas me lâcher un peu, toi. Allez, hop là. Wouh, l'esquive à la Tom Cruise. Oh, la vache. Oh, putain. Oh, ça peigne. Attends, il aime pas la lumière, il aime pas la lumière. Donc moi, ça va. Moi, ça va. Eh, hey. Putain, je vais y arriver. Moi, ça va, quoi. Hein? T'es où, espèce de... espèce de poule mouillée? Ah, on veut plus un camp Gloriel à la lumière! Ah, c'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. Ok. Eh ben, je vous nique! Et boum! Strike. Eh ben, tu sais quoi, tu vas continuer ça encore et encore, mais tout seul. Voilà. Tout seul. Comme un grand. Oh mon dieu! Ok. Oh god! Help! Putain, il veut vraiment me tuer, quoi. Il veut vraiment voir ma peau. Ah là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, d'accord. Alors, je sais qu'à la base, ça a l'air un peu stressant comme jeu, mais je trouve ça plutôt sympathique, en fait. Moi, j'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien stresser en même temps. Donc c'est... Enfin, c'est... j'ai l'air un peu maso, là, mais non. C'est pas ce que vous croyez. Et voilà, on y est. D'accord, donc on est dans le phare. Normalement, là, tout va bien. Hein? Tout va bien, normalement. Normalement, ici, il peut rien se passer. Parce qu'il y a une bonne lumière, une bonne grosse lumière, bien guérie. Baby, just another nightmare. Oh. Everything's fine. C'est notre femme, he ça? He dozed off. Right. Oh, je suis méchante. And more than dozed off would be news for everyone. Welcome to Bright Falls. Bienvenue à Bright Falls, ce qui voudrait dire les chutes claires, il me semble, ouais, les chutes claires. Voilà. C'est une traduction approximative. Hein. Mais en tout cas, je kiffe ce jeu, il a l'air vraiment sympa. Ça me fait penser un peu au Canada, le décor, franchement. J'y suis jamais allé, hein. J'ai vu qu'en carte postale, mais ça a l'air sympa. Voilà. De rien, pour ce... ce bref... moment canadien. We're fine. Great. Tourniquet, je suis un tourniquet. Ok, d'accord. Désolé. Oh, mais regardez-moi cette petite ville bien sympathique au milieu de je ne sais quel pays fleuri, n'est-ce pas? C'est cela, voilà. Ok. Oui. Ah, ça a l'air sympa par là. Et si on y allait? Eh bah moi j'y vais, moi je m'en fiche, moi je suis une rebelle, moi j'y vais, hein. Je m'en fiche. Nope. En même temps, attends, c'est quoi le genre de mec qui va aller aux toilettes des filles? Non mais j'ai pas de cerveau, quoi. Sérieux. Enfin, peut-être un pervers, ça peut arriver encore. Hello. Putain. Mr. Stucky? Ok, salut. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake.
C'est qui cette meuf? Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. Okay. And to meet your wife. I insist. D'accord. Thanks. Elle est très chelou celle-là. Hein? Et c'est marrant parce que là, vu comme ça, elle est moins flippante que là tout à l'heure. Enfin là, à l'instant, quand il y avait le... C'est bizarre, attends, regarde, t'as vu? I am so happy. D'accord, this could be sorry. Et si je reviens, elle sera toujours là? Ah ouais, elle est toujours là. Je me suis dit, c'est peut-être une ombre, un fantôme, une sorte de truc comme ça. Attends, on va rigoler. Moi, j'ai envie juste de voir si elle est encore là, l'autre. Est-ce qu'elle est encore là? Oh, elle est pas là! Vous avez vu? I hadn't seen her leave, but the old lady was gone. Eh non, mais à l'endroit où elle était là, où elle s'était posée, attends, j'arrive même plus à parler, c'est pas le jour. Eh ben, il y a une tache noire. Bon, bah, je me barre, hein. Voilà. Eh ben, voilà ma femme! C'est ça, bye Rose. C'est joli Rose comme prénom. C'est joli. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Eh ben, je pense que ça va nous servir, les lampes torches. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Hein? That diner was a real nut house. Attends, mais elle nous a donné les clés de quel endroit, la fille, là? Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. Où est-ce qu'on va? I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBF FM. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. Oh non, sérieusement, mais c'est quoi cet endroit? J'aime bien la musique. Ok. Ok. Wow, it's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Mais c'est quoi tous ces corbeaux? J'ai horreur des corbeaux. Make sure we were inside with the lights on before sunset. Ok, donc il faut que je rentre ma femme chez elle. Putain, enfin chez nous. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de la lumière. Apparemment, il y a pas de lumière, c'est ça? Faut que j'ouvre la serrure. Bah j'ai les clés normalement, non? Voilà. Bon bah alors là je rentre chez moi. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Bah oui, non mais t'inquiète pas chérie, je vais trouver la lumière. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. Eh bah à mon avis, il faut juste ressortir le câble électrique. Quel câble électrique? Ah bah oui, il y a un câble électrique. Il y a un câble électrique ici. Eh bah il va où ce câble? Voilà, je fais du big box, du big du beatbox, pardon. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler, je suis un peu fatiguée. Elle est où la porte? Elle est là. Ok. Eh ben voilà! Connected to the power cable. Eh ben voilà! C'est parti, mon kiki! Wouh! Eh ben là, c'est fait. Voilà. Mais non, mais c'est quoi? Mais... Bon, c'est pas grave. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. J'aime bien, c'est sympa. I thought we could be happy here. Enfin, le jeu. Retournez voir Alice. Eh bien, voilà, nous allons voir Alice. Chérie? Alan. I'm upstairs. Elle est en haut. I have a surprise for you. T'as une surprise? Tu t'es dans la chérie. Well. Oh putain, hello non there. Mais c'est vrai en plus. I'm not a surprise. It's in the study. Go take a look. Ah. Okay. Dans le bureau. Ah, c'est pas toi. La... C'est pas.
C'est pas toi ma surprise ? Mais comment oses-tu ? Tu m'appelles pour une surprise, t'es en culotte, t'es des pervers, et en plus tu me dis que c'est pas toi ! Pardon. Ok. Ah ? Surprise ! Alice ? What is this ? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn, Alice, you... Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... C'était quoi ça? Alan? Oh, c'est quoi ça? Wait, don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Attends, mais c'est passé quoi là? God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Pourquoi elle a peur du noir? Je comprends plus rien là. Ah, pour le coup, je suis un peu paumé. Eh, tu devrais peut-être pas sortir dans le noir, c'est vrai, elle a raison peut-être. Je sais pas. Damn it. Y a un petit souci là. Alice! Wow, c'est quoi ce délire là? Ok, alors là c'est le moment où on va courir comme des bâtards. Non mais j'arrive. Mais c'est quoi ça? Ah! Mais c'est quoi ça? Mais attends, mais j'arrive, mais deux secondes. Putain, où est-ce qu'elle est? Elle est à l'intérieur, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle est en haut? Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, ça fait peur. Oh non, ça me fait flipper là, c'est quoi ce délire? Non, elle est pas tombée. Elle est pas tombée. Dis-moi, non mais me dis pas qu'elle s'est noyée quand même. Mais si, keep going, Alice. Wake up. Alice. C'est quoi ce délire? Attends, mais il y a deux secondes, on avait plongé dans un lac. Et là, on est dans un accident de voiture. Ok. Seeing the book brought back my fight with Alice. On s'en bat les steaks. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Bon, bah. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Ah non, mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'il peut pas, je sais pas moi, avoir autre chose sur les quoi. Damn. C'est quoi ça? Oh. Mais j'ai rien sur moi en fait, j'ai même pas de lampe torche. Et si je me fais attaquer? Hello? Ah, il y a une lumière. J'ai l'impression d'être un démon quand je dis ça en fait. Hello? Someone there? C'est quoi ça? J'adore les cinématiques dans ce film, putain. Enfin, les animations, putain, c'est joli. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Donc en fait, on va vivre ce qu'il a écrit en fait, c'est ça? C'est quand même chaud comme histoire ça. Oh non! Anybody there? Please, I've been in an accident. Non, écoute, tu sais quoi Alan, tu vas te taire. Hein, parce que le monsieur avec sa hache, il est pas gentil. Il est pas gentil du tout. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Ah, je sais pas vous, mais franchement, j'ai la dalle. J'ai pas envie de finir cet épisode, en fait. C'est juste que j'ai vraiment tellement faim, quoi, j'en peux plus. Hop. Point de contrôle. Quoi? Anybody there? Please, I've been in an accident. Ah, y a un mec là-bas. À gauche. Il m'a pas l'air d'être quelqu'un de vivant.
Ouais, non, il m'a... de vivante. Moi, je vois des morts, tout va bien. Tout va bien dans mon cerveau. On va s'arrêter là, je fais la pause. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous en avez envie. Et abonnez-vous, hein. Faites partie de la famille. Ça va me faire plaisir. Et puis ça vous fera plaisir aussi. Puis en gros, on sera plus heureux. C'est la phrase la plus débile que j'ai sortie de ma vie. Bref, je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.